Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin. Aujourd'hui, on fait un rangement en carton mousse, en foam core, pour le jeu Margraves of Valeria. Margraves of Valeria, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir, il va être en kiosque bientôt. C'est dans la série Valeria Card Kingdom, Villages of Valeria, il y en a 3-4, Quest of Valeria. Cette fois-ci, c'est un worker placement. Et il y a un petit truc qui ressemble beaucoup au jeu Concordia dedans au niveau de la façon dont on joue les cartes, alors ça va être très intéressant. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de petits meeples, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup le plateau de jeu. Quand il est replié, il prend pas l'espace au complet de la boîte, alors j'ai dû travailler quelque chose sur deux étages pour arriver à faire un rangement où tout allait bien rentrer, puis quand je transporte la boîte, tout se remélange pas. Alors, on regarde ça ensemble, comment faire aujourd'hui un insert en fond core pour Margraves of Valeria. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte des Margraves of Valeria, le dernier jeu sorti dans le monde de Valeria? Alors, c'est quand même une assez grosse boîte. Alors, c'est pas un premier déballage, je l'avais déjà fait. Vous avez un plateau avec des pistes à suivre qui ne prend pas tout l'espace, vous voyez. Vous avez le plateau de jeu qui est divisé en quatre. Comme celle-ci. Alors, c'est pas. Pas rien quand même. Alors, c'est un plateau de jeu où vous allez vous déplacer. Il va y avoir des monstres à battre, des chevaliers à sacrifier, tout ça. Et ça vient comme ça. C'est la façon proposée par la compagnie pour ranger les choses. Alors, c'est pas mal fait. J'ai mis les jetons pour chaque personnage dans un sac présentement. Et chacun a un petit château avec des bannières à sa couleur. C'est ce qu'ils appellent en anglais le keep, là. Le fort, la tour centrale idéalement, là. Alors, c'est intéressant à garder. C'est la version Kickstarter, ça. C'est quand même un peu plus de luxe. Alors, vous avez un séparateur comme ça amovible. Moins un fan. Alors, vous avez ce qu'il faut pour comptabiliser les points à la fin. Les ressources. L'argent de métal, parce que il est toujours plus joli. Alors, c'est assez. C'est des belles pièces. Vous avez les pièces qui valent 5, je pense, et les pièces qui valent 1, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est assez intéressant. Alors, pour ça, j'aurai de toute façon un petit sac de tissu, probablement, pour les mettre dedans. Alors, vous avez tout le lot de cartes de promotion. Alors, ça, c'est le carte de promotion pour le jeu le Card Kingdoms, Valeria. Et ça, c'est des extensions qui venaient avec le jeu, quand on le kickstartait. Alors, Il y a un kit de départ, un kit d'événements, un kit de citoyens, un kit de monstres, un kit de dragons avec quelques tokens en plus. Et aussi le mode solo. Alors, il y a déjà un mode solo qui vient avec. Vous avez des jetons faveur 1 et 2. Les boards personnels. Vous allez pouvoir mettre de l'équipement que vous allez chercher. Vous allez pouvoir comptabiliser votre force, tout ça. Et vous avez des personnages différents selon les couleurs. Alors, c'est l'artiste, c'est de Miko. Il fait tous les dessins pour cette série-là. Et c'est lui aussi qui fait les dessins pour les Raiders of the North Sea et les Architects et les Paladins of the West Kingdom. Et bientôt, l'autre jeu qui va avec. Vous avez des cartes citoyens. Alors, qui ont des pouvoirs chacun, que vous pourrez enrôler. Vous avez une main de départ à ce jeu, là. De ce que j'ai presque fini de lire au complet, il reste quelques détails pour le mode solo dans le livre de règles. Et vous avez des cartes pour aller chercher
d'autres personnages qui vont vous donner des ressources et tout ça, que vous allez pouvoir ajouter à votre main. Et il y a aussi quelques tuiles comme ça, en plus. Alors, ça sert entre autres au départ. Ça vous donne des ressources différentes. Et tout le restant de la boîte, c'est de l'espace vide avec des séparateurs amovibles. Et on vous explique comment tout placer et de mettre en dessous les punchboards vides. Alors, c'est tout ça, c'est de l'espace assez assez perdu. Alors moi, ce que je vais probablement faire, c'est faire un système de rangement. Quand je vais avoir enlevé tout ça dans le fond, les cartes vont pouvoir tenir debout. Alors, un système de rangement probablement dans le bas comme ça pour tous les types de cartes avec des séparateurs. Fait que ça va probablement faire une rangée complète ici de cartes avec les séparateurs. Puis peut-être un endroit pour mettre la monnaie au bout là. Alors celle-là dans le fond, puis celle en métal par-dessus dans son petit sac là, pour que ce soit plus joli. Et je ferai probablement un cabaret de fond. Un cabaret qui va contenir les ressources. Il n'y en a pas tellement, hein, parce qu'on joue avec très peu de ressources. Les ressources sont limitées dans ce jeu-là. Alors, les tuiles, comme ça. Et un espace pour mettre chacun des petits châteaux, comme ça. Et dans lequel on pourra mettre directement les jetons du joueur sans le mettre dans un sac. Alors, il n'y aura plus de sac, ça va être directement dedans. Et il y aura un autre cabaret pour aller par-dessus pour mettre, mettons, ces tuiles-là, de l'espace sur le dessus pour mettre probablement ça, aussi sur le deuxième cabaret. Et je prévoirai aussi peut-être un recess, mettons, à un bout comme ça, pour pouvoir facilement, je vais être obligé de le faire dans ce sens-là, la boîte n'est pas parfaitement carrée. Alors, il y aura quelque chose comme ça pour que ça vienne se fermer. Bon, ben changement de plan, hein, parce que la pensée valant le travail, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je voulais mettre mes cartes debout dans la boîte, dans un certain sens, c'est-à-dire comme ça ici, tout le long. Il ne sera pas pris peut-être tout le long. Et je peux pas. Alors, ce que je vais faire des compartiments pour les mettre comme ça. Ils vont quand même être debout, mais ils vont être dans deux rangées comme ça. Pourquoi? C'est surtout à cause du board. Le board ne fait pas tout l'espace de la boîte. Vous voyez? Il y a comme un trou. Fait que ça va monter plus haut jusque sur le bord de la boîte. Et sous le board ici, je vais avoir du rangement. Alors, j'ai fait un espace pour mettre les cartes, les petits châteaux et les jetons de tous les 5 joueurs, ici. J'ai de la place pour mettre mes grosses tuiles, mes petites tuiles numéro 1, mes petites tuiles numéro 2. Alors, ça, la section ici va être plus haute. Ça va être plus bas. Donc, je vais pouvoir mettre ça ici comme ça. Ainsi que les player boards comme ça. Et je vais me faire un autre petit cabaret ici, dans lequel je vais pouvoir mettre les ressources. Il ne sera pas obligé d'être épais, parce que ça va être là. Alors, les ressources vont être sur le player board, comme ça ici. Et les petits jetons qui représentent les chevaliers. Alors, ce petit cabaret, pour pouvoir sortir, on pourra le mettre sur la table et se servir là-dedans, au besoin, si on veut. Et il restera juste à mettre il y aura de l'espace aussi dans le cabaret suffisamment pour mettre le truc pour pointer, de pointage, comme ça. Alors, c'est les petits changements que j'ai apportés. Je vais transférer ça sur du foam core et je vous montrerai l'image. OK, je suis parti de mon plan et j'ai commencé par faire les contours. Alors, il y a un premier morceau qui va venir faire le côté long. Avec le petit côté court ici, qui va être là, et le restant qui est plus bas à 4 cm, alors ça c'est plus haut jusqu'au bout, puis ça c'est plus bas pour pouvoir mettre le plateau, donc la portion plus basse est là. Et après ça, j'ai fait le contraire, il va y avoir juste un petit bout, parce que vous savez, je vais plier ici plutôt que faire 4 joints, ici ça va être un pli, et ici aussi ça va être un pli. Alors, il y a juste 2 joints qui vont être assez
côté-là. Alors, il y a le petit côté ici. Et ici, ça va être, j'ai pas fait la ligne, là, mais il y en a une qui va là aussi. Ça va être le petit côté là et un grand côté qui va être petit aussi, qui est ici. Alors, après ça, j'ai fait des séparateurs. Alors, toutes les petites divisions que vous voyez ici, ça, ça, ce sont tous les petits séparateurs qui vont venir dans la partie plus basse. Et après ça, je vais faire ça, je vais installer le plateau dans la boîte et je vais m'assurer, avant de faire le dernier petit plateau que je vous parlais, je vais le faire sur mesure en fonction de l'espace qui me reste. Alors, ça va ressembler à ça. C'est comme ça que je transfère l'image de là en plan. Puis l'important, c'est de savoir où découper puis où pas découper. Fait que si vous voulez faire des marques de pliage, vous pouvez vous mettre un code. Et le code peut être très simple, là. Quand il y a vraiment une coupe, vous pouvez faire un X. Puis là où c'est un pli, vous pouvez faire comme un S dessus. Puis vous saurez que ça, c'est juste un pli qui va là, pour être sûr de ne pas couper, si vous avez des doutes. Moi, je mets sur les sections que je suis certain que je n'aurai pas besoin, je mets des petits X. Alors, c'est une habitude qui vient de la bande dessinée. Quand un dessinateur, surtout dans, si vous êtes un fan de Marvel, ces choses-là, quand on met un X, c'est une pièce qu'on veut enlever ou c'est une pièce qui, à l'ancrage, va être noire. Moi, ça m'indique que sur le fond de mon dessin, la portion où il y a des X, c'est pas un vrai morceau. Fait, ça ressemble à ça. Maintenant, je vais passer au découpage. Je vous remontrerai pas tout le découpage de tout ça, mais on va faire juste une petite révision de comment je m'installe et comment je coupe. Alors, les conseils d'usage, j'ai fait une première coupe, puis j'ai senti que ça allait déchirer. Alors, j'ai changé ma lame pour une neuve tout de suite. Je vous rappelle les principes de base. Alors, comme ça. Alors, toujours bien mettre la règle très droite sur la ligne. Je vous conseille de la tenir au centre pour pas que ça dévie. Vous placez le couteau pour qu'il soit perpendiculaire vraiment à la table. Et là, je suis pas sur la table directement. Vous avez vu que j'avais ma vieille planche de mélamine. Et je vais d'un trait venir d'un côté à l'autre, comme ça, pour faire une coupe parfaite, très droite, très clean. Tantôt, ça cherchait à déchirer un petit peu. On le voit ici, là, un brin. Pas de façon dramatique, mais soyez pas cheap, changez tout de suite la lame quand ça fait ça. Alors, je voulais aussi vous rappeler la façon dont je travaille avec les plis. Okay? Ici, c'est même pas un pli. Ici, il faut que ça continue tout droit. OK? Fait que je vais complètement enlever ça. Ma pièce sur le côté, c'est le côté où les cartes vont aller, puis ça, c'est le plateau qui descend plus bas. Alors, ici, j'ai un pli. Alors, et aux deux côtés, ça va être collé. Alors, je vais créer un angle à chaque bout. Pour créer l'angle, c'est assez simple. Vous calculez à peu près 0,5 cm comme ça. Vous mettez le couteau en angle et vous allez enlever comme ça, sans entamer le carton en dessous le moins possible. Faites la même chose de l'autre côté. Puis, c'est pas grave si l'angle n'est pas parfaitement là, fait. Ça paraît pas quand on plie. Ici, au centre, alors, la première chose à faire, c'est une légère incision qui va pas se rendre l'autre côté. Faut pas couper bord en bord. Et dans ce sens-là non plus. Alors, on vient faire une légère incision. On revire ça comme ça. Une autre légère incision. Et ici, ça va passer entre, on peut prendre la lame pour venir enlever tout ce qui est excédentaire et créer. Là, je suis un peu mal organisé autour du. Alors, vous enlevez comme ça tout le foam core pour que ça fasse un V. Je vais vous le montrer en enlevant ce bout-là. Alors, ça doit créer un V comme ça pour que lorsque vous allez comme ça le plier, ben, vous avez un joint parfait.
Alors, je vais couper tous mes morceaux, vous revenir avec un petit bout sur l'assemblage. Alors, comme l'autre fois, j'ai plié les coins, j'ai mis la colle dans le coin et deux petites épingles. Puis aux autres coins, je suis vraiment venu joindre avec un peu de colle et deux. Cette fois-ci, comparativement à d'habitude, j'ai pas fait un fond en styromousse. J'ai juste fait un fond en carton. C'est juste un simple carton, les grands cartons qu'on achète là, pour bricoler. Je vais découper ce qui dépasse pour être sûr que ça rentre dans la... Mais ça m'a permis de le mettre plus d'équerre, un petit peu. Puis je vais venir coller aussi par... là, regardez, je vais mettre le grand bar qui va séparer la section haute pour les cartes avec la section pour les autres jetons en bas. Et par-dessus, on pourra venir mettre le board game, l'espace de jeu. Mais je vais pouvoir mettre non seulement de la colle dans les coins, mais je vais mettre de la colle en dessous pour tout coller ça aussi sur le carton. Ça va lui donner de la rigidité et de la solidité. Fait que je continue mon montage. Alors, après moult bricolage, je vous montre ce que ça donne à la fin. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un pli et non une colle. Ici, c'est un joint avec un colle. Ici, c'est un pli. Alors, c'est deux morceaux qui ont été placés comme ça, joints dans les bouts. J'ai ensuite collé la séparation ici et les deux séparateurs. Il va y avoir des cartes qui vont aller, je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, c'est les espaces pour mettre tout ce qu'un joueur a besoin. Alors, il y a 5 joueurs dans ce jeu-là, il y a de la place pour en mettre 5, il n'y a pas de problème. J'ai des grandes tuiles, puis deux espaces pour des petites tuiles, ça va faire. Alors, j'ai pas mis pour, pour une question d'espace en hauteur, tout ce que j'avais à mettre. Il n'y a pas de fond en carton, hein, comme en carton mousse. Alors, j'ai pris la peine de mettre de la colle sous chaque petit morceau pour que ça adhère bien sur le fond. Et j'ai mis, vous le voyez probablement, des épingles à travers. Ça arrive des fois comme ici, vous voyez, j'ai dû me reprendre quelques fois, mais ça paraît pas trop. Puis c'est surtout qu'une fois que tout va être sec, là la colle paraît encore à certains endroits, elle est brillante, mais ça sèche bien transparent. Alors, c'est la base sur deux étages. Alors, on va pouvoir mettre ici les plateaux de jeu. Je vais faire un autre petit compartiment pour mettre les derniers pions qui restent à mettre, genre juste à cette place. Alors, je voulais vous montrer le trouble des fois qu'on peut se donner pour arriver à quelque chose. Ceci sera, c'est l'envers, voici le devant, l'endroit où je vais mettre le petit espace pour se carrer, les ressources et les petits meeples, les mini meeples de chevalier qui vont aller là. Alors, ça va aller tout à l'heure quand je vais tout replacer dans la boîte. Là, vous verrez quel look ça a. Le porc-épic de ce côté-là, c'est que c'est pas du foam core. Alors, ça a tendance à onduler un peu. Alors, pour être sûr que le carton est bien va bien tenir, alors je l'ai collé, j'ai mis des épingles. Il y a plusieurs solutions pour parer à ça aussi. Si vous avez le germe de la couturière en vous, vous pourriez faufiler une aiguille avec un fil, et c'est faire passer comme ça, avancer un petit peu, passer comme ça, et vous auriez quelque chose qui tiendrait aussi. Ça doit se faire. C'est une solution de rechange qui m'apparaît aussi intéressante au niveau du look. Si vous avez un fil qui est intéressant, si vous avez une couleur qui pourrait faire matcher avec le jeu ou quelque chose comme ça, ça pourrait être très intéressant. Moi, je suis allé au plus simple. Mais évidemment, quand on fait ça, souvent, la plupart du temps, moi, les aiguilles restent. Alors, je les pique puis je les envoie au travers, mais là, ils vont toutes dépasser parce qu'elles sont trop longues. Je n'ai pas de si petites aiguilles parce que ça a 1,4 cm. C'est l'espace qui restait dans la boîte pour mettre tout ça. Alors, faut faire des compromis. On verra ce que ça donne tantôt. Alors, on tente de remplir le tout. Alors, vous voyez, le petit cabaret est prêt. Alors, chaque joueur a besoin de certaines choses. Alors d'abord, une carte aide de jeu. Et chaque joueur a 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes de départ avec sa couleur. Alors ici, c'est la couleur jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Alors,
On peut penser que je mets le joueur jaune là. Je peux mettre son petit château là. Je peux mettre tous ses petits pions, hein, même son château. Mais je pourrais aussi les laisser dans le sac, mais c'est pour éliminer les sacs qu'on fait ça, hein, entre autres. Là. Alors ça, ça va là. J'ai des grandes tuiles qui, en principe, devraient entrer ici parfaitement. C'est bien, je ne l'avais pas testé avant de vous le montrer, fait que j'étais assez content que ça rentre parfaitement. Ici, on va mettre les cartes que les gens vont pouvoir acheter lors de la partie. Alors, c'est des cartes qui ont le même dos que les cartes des joueurs. La différence que il y a un petit drapeau noir, alors qu'ici, il y a un petit drapeau blanc. Alors ça, ça représente un joueur. Alors qu'ici, c'est des trucs qu'on peut acheter. Alors, il y a des chiffres dessus sur le nombre qu'on peut utiliser aussi. Alors ça, en principe, ça fit parfaitement là. J'ai d'autres cartes. Les cartes des différents emplacements avec les méchants à battre. Alors, ils ont l'air de ça. Alors, ils ont fait un petit séparateur qui ne dépasse pas parce que là, tout d'un coup, j'ai mis des sleeves. Mais je vais quand même le mettre ici. On va bien voir en le tassant où sont les séparateurs pareils. J'ai les cartes d'une petite extension qui viennent avec les dragons, les événements. Alors ça aussi, tout ça, ça peut aller là. Et la même chose pour le mode solo, la variante, ça rentre aussi là. J'ai un espace ici. Ça, c'est les jetons de carton qui venaient avec le jeu. Alors moi, j'ai pris, évidemment, c'est ma marotte, j'aime beaucoup les petits jetons métalliques. Alors, j'ai pris les jetons métalliques. Je leur ai trouvé un petit sac. Et ils vont aller tout simplement ici. Ça fonctionne comme ça. J'ai des jetons. Un et deux. Qui eux sont faits pour aller dans les petits emplacements ici. En principe, il n'y a pas de problème. Ils devraient tout entrer. Je ne vais pas prendre le temps de tous les mettre parce que c'est surtout le résultat que je veux vous montrer. J'ai laissé de l'espace pour mettre le plateau de jeu. Alors, c'est ce que je vous disais. Le plateau de jeu va maintenant rentrer comme ça. On va mettre les plateaux de joueurs individuels comme ça. Je me suis rendu compte qu'ici, mon petit plateau va très bien rentrer, il n'y a pas de problème. Mais il pourrait avoir un jeu comme ça. Alors, on pourrait juste mettre une pièce de carton mousse ici. J'ai le petit pad pour compter les points, comme ça. J'ai aussi les jetons ressources. On va tout simplement mettre comme ça ici. Et les petits jetons chevaliers avec le jeton premier joueur, qui ont tous la même couleur. Le jeton premier joueur, c'est la petite épée. Hein? Ça fait changement des jeux qui exagèrent sur la grosseur du jeton premier joueur. Et quand ça c'est terminé, on a juste à mettre ça ici. Vous refermez le tout. Et voilà, tout tient dans la même boîte. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Alors, vous avez vu, des fois, la pensée vaut le travail. Il faut recommencer, il faut refaire les choses, il faut s'assurer que tout va bien rentrer, tout va bien fitter ensemble, s'assurer que quand on bouge la boîte, tout tombe pas. Alors, j'avais plusieurs préoccupations au niveau des plateaux puis tout ça. Alors, j'y suis arrivé. Je suis assez content. On va voir. Souvent, c'est à l'usage qu'on voit si c'est parfait. Là, je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que je fasse des petits creux à certains endroits pour me permettre d'aller chercher les jetons, les cartes ou les petits cardboard un peu plus ils sont classés là, un peu plus serrés peut-être pour aller les prendre avec mes mains, on verra. C'est des petits changements faciles à porter avec un petit couteau, une petite incision en U ou en V. Alors je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ça, à poser des questions si vous en avez, à vous abonner à la chaîne sur YouTube, ça me permet pour moi de voir un meilleur décompte de ce que vous regardez. Alors c'est toujours intéressant de voir quels épisodes vous intéressent le plus.
quelle solution j'apporte. Et si vous avez des questions précises sur certains points techniques, n'hésitez pas. J'essaie de ne pas refaire les démonstrations au complet que j'ai déjà faites avant dans d'autres épisodes. Mais si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Fait que, portez-vous bien. Have fun!